Les points négatifs, c'est vrai qu'on a pris 3 points importants à Westerlo. En gagnant 0-3, on a marqué quand même 3 buts à l'extérieur, c'était positif. Après, voilà, on a perdu Rouleurs 5-0 sur un coup franc. Donc je pense que maintenant, le plus important, c'est de surtout se concentrer sur le prochain match, sur les 2 prochains matchs à domicile, et on n'aura pas droit à l'erreur. J'ai lu qu'en 3 ans, j'ai fait quand même 366 matchs. C'est quand même, ça fait 4 matchs en 3 ans. Là, j'ai fait 10 matchs, je pense, en 2 mois et demi. Et je pense que voilà, c'est quelque chose vraiment de positif personnellement. Et petit à petit, je reprends le rythme, et c'est le plus important. Je connaissais, bien sûr, c'était surtout une très bonne école de jeunes, parce que j'ai joué à Anderlecht pendant 6 ans, et je me rappelle qu'après Anderlecht, c'était l'Union. Enfin, il y avait le Bruxelles, mais l'Union était dans cette catégorie. Et aussi, ils ont une très belle histoire. Une très belle histoire, et voilà. Franchement, ce qu'ils ont fait en playoff l'année passée a montré que le club grandissait. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Je connais très bien, parce que j'y ai passé quand même 4 ans là-bas. C'est aussi là-bas où je suis devenu professionnel. Et voilà, j'ai des très bons souvenirs au Lyre. Et voilà, aujourd'hui, je joue pour l'Union, et je vais me battre pour ce maillot.